Hey, de retour les amis pour le Weekend Live avec maintenant, dans un instant, dans quelques instants les amis, Lego les Hobbits. Donc un petit direct live bien sympa, vous allez voir, ça va être cool, on va bien s'éclater. Donc 1 minute 53, j'ai dû 1 minute 52, 2 minutes parce que pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube ou sur Twitch, les amis, j'ai dit que je mettais pas plus de 3 minutes. Voilà, donc je pense que c'est un défi réussi pour une fois que je suis dans les temps et que je mets pas trop longtemps. Donc re tout le monde, à midi j'ai mangé des patates et j'ai pensé à toi car Galaxy c'est chaud patate, merci. Voilà, donc les amis, on est reparti. Tant qu'il n'y a pas d'infraction, je dis pas. Alors, je vais couper la musique évidemment et on va passer directement sur Lego le Hobbit. Regardez-moi ça, mais quel beau menu, les amis. Je m'éclate toujours. C'est parti, on appuie sur Start et on y va, soyons fous. Alors, charger la partie. Alors, je dois avoir une partie, 1,7%. Donc, voyez-vous, j'ai beaucoup joué au jeu. Un truc de fou. Voilà. Je n'ai même pas découvert le monde open world du jeu. Enfin, j'espère qu'il y en a un. On verra bien. Écoutez, donc, petite partie sympathique. On peut prendre ça aussi comme une vidéo détente. Bon, c'est un live détente, en gros, voilà. Sur ce jeu. Qu'est-ce qu'ils me disent? Les personnages munis d'un bâton magique peuvent détruire les objets Lego magique bleu. Appuyez sur X pour jeter un sort. D'accord. Tu aimes Gran Turismo 6? J'aime bien. Après, c'est pas mon jeu préféré. Voilà. Alors. Tac, 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 faut passer, faut faire quoi en fait? Non, c'est un temps de chargement ça. Ok. Galax, il y a quelqu'un derrière toi. Ah! Ah! Non, c'est un oiseau, voyons. Demain, GT6. Non, pas de GT6. Bonjour à la personne qui était derrière toi, Galax. Hey, c'est qu'un oiseau! Mon dieu, vous discutez tranquille. Galax, vas-tu jouer à Assetto Corsa? Non, du tout. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur YouTube, hein, par contre. Tu connais le site de mode Modoster, bien sûr. Vous avez vu le temps de chargement, quand même? Ah, bah on est là, écoutez. Je suis étonné, parce que moi, j'étais pas arrivé là dans ma partie. Donc, tant mieux, ça, c'est cool. Donc, Lego le Hobbit, pour ceux qui n'ont pas vu les films, je vous le conseille, clairement, même si, bon, c'est un tout petit peu moins bon que ce qu'on avait sur la saga Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Hein, c'est un petit peu moins recherché. On va dire que c'est... Bon, je dirais pas que c'est du réchauffé, parce qu'en fait, c'est les prémices, évidemment, pour ceux qui connaissent pas du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est ce qui s'était passé avec le Hobbit. Hop là, avec le Hobbit. Et donc, on dirige Frodon. Voilà, et on a le Hobbit là-bas. Hop, saké, saké. Qu'est-ce qu'il va me dire? On verra bien. D'accord, c'est une cinématique, superbe. Je ne veux pas de cinématique, je m'en fiche. Est-ce qu'on peut passer les cinématiques? J'ai l'impression qu'on ne peut pas passer les cinématiques. Viens dans mon entreprise. Non. On dirait que l'oiseau se pose sur ton crâne. J'avais pas vu en plus. Barbecue de l'oiseau, énorme. Galax, moi j'ai Lego, la grande aventure sur 3DS. J'ai le film Hobbit. Hobbit. Vous êtes sérieux, une pub en plein live là? Une pub en plein live? Je vois pas où il y a de la pub. Ah, mais une pub en plein live, oui, d'accord. Galax, oui, ou 3DS. Alors là, on est sur Xbox 360. Je le précise quand même. Il y avait quelqu'un derrière toi. À la fin de l'année, il y aura le 3. Tu peux mettre un peu plus fort le son du jeu? Je peux. Bah là, écoutez, je vais essayer de le remonter à 100. Voilà. Nickel. Gandalf! Donc là, on voit la petite cinématique. Alors, ce que j'aime bien dans les jeux Lego, c'est vraiment qu'on revit, les amis, le film. C'est très fidèlement repris. Ça, c'est, j'adore. Franchement, c'est excellent. Voilà. Tu connais NHL? NHL, le hockey? Si c'est ça, oui. Est-ce que tu feras des vidéos détente sur Gran Turismo 6? C'est déjà fait. J'en ai déjà fait. Sa qualité d'image est comme ça? C'est-à-dire? Oui, enfin oui. BG, les pompes à une main. pour vous servir. C'est énorme ça. Je revis carrément le film. Épique. Excellent. Pour vous servir. Pour vous servir. Et là, ils rentrent tous. Après, ils vont se faire un festin. Alors, attention, pour ceux les amis qui n'ont pas vu le film, vous risquez d'être un petit peu spoilé dans cette vidéo. On sait jamais. Hein. Bon, après, voilà, c'est pas des. Enfin, si, c'est des gros spoils dans le sens où vous allez comprendre le truc, quoi. Ah, j'aime bien le côté graphique des Lego. J'ai toujours aimé. Ça m'a jamais dérangé en fait, ce côté graphique. Je sais que pour certains, ça peut être bizarre. Allez, on met la clé, donc je suppose. Ça paraît logique. Petite clé pour ouvrir. Musique au début, Galax. Musique au début. Musique. D'accord, on s'en fout. Oui, bah elle est super jolie en plus, la musique de Seigneur des Anneaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça faut le pousser, non? Je sais pas. Faut sûrement le pousser, à mon avis. J'aurais besoin d'aide pour pousser. Ou alors on casse, carrément. Ça vole tout. Bizarre. Ah, attendez, lui, il a un marteau. Bim!
Bim. D'accord. Ah non, faut le pousser alors. Ah oui, c'était ça, on l'avait vu dans la vidéo. Donc le pousser plutôt dans l'autre sens. Attendez, comment on peut faire là pour le pousser? Oh, tu vas me dire que je sais plus. Le pousser, mon dieu. D'accord. Attendez. Ah, c'est ça. Non, non plus. J'ai un problème, je n'arrive plus à pousser, les amis, le meuble. Comment on fait? 15 serveurs TeamSpeak, il y a un trou dans le crâne, lol. Il a un trou dans le crâne, lol. Il a un trou dans le crâne, lol. Lol. J'ai pas compris. C'est pas grave. Alors. D'accord, je sais pas ce que je... Comment le pousser, celui-là? Je sais pas. Normalement, c'est avec lui, avec deux baleines. Je suis là, Sylvain. Commode à côté. Casse la commode à côté. Ouais. La commode. Donc ça... Ah, pas con. Je suis bête, moi. Sérieux, faut tout casser. Énorme. Faut tout casser. Donc ça... Ah, d'accord. Et voilà. Voilà, faudrait juste faire ça et après taper. Mais pourquoi? Ah ouais, pour faire rouler, en fait, le... C'est un peu bizarre, quand même, hein, je vous avouerai. Pour vous servir. Oui, bon, bah, c'est vrai que il a un trou sur la tête. Ouais, c'est vrai que ça fait rigoler quand même. Hein. Je vous avouerai que là, j'avais pas compris à la base pourquoi t'avais dit il a un trou sur la tête. Je croyais que tu parlais de moi. Hein. Je me suis dit, attends, j'ai un trou là où il est où des carottes. J'aime bien les carottes. C'est bon ça. Hop, alors attendez, je vais casser tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Des planches. Donc, ça, on les récupère, les amis, évidemment, pour la construction. Alors, on l'avait également dans Lego La Grande Aventure, celui qui était sorti avant. Ça a innové un petit peu de ce côté-là. Bon, pour moi, c'est pas indispensable. J'aimais même les Lego d'avant. Donc, voyez-vous, je suis pas spécialement accroché à ce Lego Le Hobbit. Mais en tout cas, il a l'air plutôt bien retranscrit. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être voir un truc avec lui, non? D'accord. On peut tout casser, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il a comme arme, lui? Alors, à quoi ça sert ce truc en or? Je ne sais pas. Faudrait me dire. Oh, forcément, c'est un truc à voir avec ça. Attendez, je regarde. D'accord, ça sert à rien. On va aller voir ce qu'il y a avant. Et honnêtement, là, je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis paumé, en fait, dans cette maison. Ah, mais on peut aller là aussi. On peut tout visiter. C'est bien. Je suis content. Alors, peut-être qu'il fallait pas avoir ce perso-là. Peut-être qu'on n'a pas encore le perso requis, les amis, pour l'accroche. Hop. Là, par contre, on peut. Voilà, on défonce tout. Ouais, un peu plus fort le son du jeu, ça serait mieux. Ah bon? D'accord. Si vous souhaitez. Voilà. Je mets un petit peu plus fort. Alors. Ce serait souhaité, Galaxy, de mettre le son un petit peu plus fort. Ah, on a une petite pièce bleue. Parfait. Plutôt plusieurs pièces bleues. Il fallait les voir, ceux-là, mine de rien. Hop. Un petit truc pour la construction. Donc, moi, je passe un petit peu. Hein, je vais pas tout le temps tout vérifier dans les pièces. Parce qu'en général, c'est vrai que dans les jeux Lego, faut vraiment faire les pièces de fond en comble, tout casser pour voir s'il n'y a pas des petits secrets. Mais là, vraiment. Je vais pas faire ça. Hop. Bon, un petit peu quand même. Vraiment un petit peu. Ça sert à rien, ça, ok. La plateforme, elle sert à quoi, au juste? Poussez-vous! Nom de Dieu! Qu'est-ce qu'on a là? Ah, attendez, il y a des verts bleus et verts, des verts roses. ETS2, forum. Galaxy. Pour qui à la finale de la Coupe de France? C'est rien, alors là. Oh, regardez, je vole! Regardez, je vole dans les airs! Je vole dans les airs, magnifique! Ça c'est bon. C'est rigolo. Bon alors là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut peut-être que je prenne lui. Attendez, je regarde, qu'est-ce qu'on a derrière? On a un secret là. Ah, il y en a un secret derrière. Ouais, alors je sais pas honnêtement comment faire ça. Ah, attendez, pourquoi ils me disent ça en fait? Non. Non plus. Peut-être que je prenne lui, non? Oula, j'ai pas tout compris là. C'est pour une super construction à construire une table. D'accord. Ouais, et alors? Le mec il est pas paumé. Faut peut-être. Donc il y a peut-être un truc à faire encore à, dans l'autre pièce. Tu vas pas voler dans l'eau. Il y a une tête de Lego, mort de rire. Tu as une tête de Lego. Moi? Une tête de Lego? Attends, il y avait un truc là. Ah! Il y avait un truc là. Est-ce que. Est-ce que ça suffit? Ah, attendez, il y a des trucs là. Je suis con, j'avais pas vu. Voilà. Allez, Guingamp. Ouais, allez, Guingamp. En tout cas, ils ont bien joué. J'ai regardé le match l'autre jour. Pas mal. Franchement. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Je pense que oui.
Non, c'est pas ça. Il nous faut des plaques. Alors, c'est que des trucs gris. Je pense pas qu'on aura tout ce qu'il nous faut. Donc, j'ai récupéré. Si, c'est bon. Superbe. Ça, voilà. Et il manquera 5 plaques. Donc, écoutez, il faudrait trouver juste des plaques, si possible. Voilà. J'en ai assez ? Ouais, nickel, voilà. Parfait. Allez, attention. On se concentre, les amis. On sélectionnera bien la bonne pièce. C'est quoi ? Celui-là. Ouais. Ensuite, c'est ça. Celui-là. Suivant. Ouais, donc là, c'est l'atelier construction, évidemment. Hein, comme dans Lego, la grande aventure. Je vous l'avais montré lors des vidéos découvertes, etc. Donc, vous connaissez un petit peu, je pense. Alors, ensuite, un petit vis, c'est ça. Ensuite, ça, le petit chapeau. C'est celui-là, donc je perds un petit peu évidemment de pièces quand... Ah, j'ai pas vu, quand je perds du temps. Oula, c'est une grosse construction ça, je le sens bien. Oula là, c'est pour une table, effectivement, donc bien joué à celui qui l'a dit. Donc soit il l'a deviné, soit il a le jeu. Je vois pas ce que c'est. Je vous jure, je voyais pas ce que c'est comme ça. Ça, je le vois. Non! C'est celui-là. Hop. Je vous jure, je vois pas ce que c'est. Je vois rien en fait. Je trouve que les pièces sont mal mises. C'est incroyable. Ils sont pas bien orientés. Ils auraient dû mettre la caméra plus visible, en gros. Voilà, et en plus, ça nous rapporte des pièces, évidemment. Magnifique. On va pouvoir manger. Est-ce que tu feras d'autres détentes sur GT6 bientôt? Non, je ne pense pas. Oh, peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sais pas encore. Filé et Kili. Filé. Pour vous servir. Bon, pour tout vous dire, honnêtement, je n'ai plus le jeu Gran Turismo 6. Enfin, il est pas chez moi actuellement. Il est chez ma sœur, donc voilà, c'est pas possible pour moi. Alors, t'achèteras la PS Vita? Non. Elle sort aujourd'hui, la chronique du routier? Oui. Je vais répondre oui, non, oui, non, oui, non. Tu connais le site Modoster? Je l'ai déjà dit. Oui. Mais maintenant, je vais faire un petit peu attention quand je vais aller sur les sites de mode pour pas foutre en l'air mon PC non plus. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tiens? Attendez, utiliser un arc comme celui de pour tirer des flèches. D'accord. Allez, donc toi, on va tirer les flèches. Hop. Boum. Voilà, joli. Attends, je récupère. C'est quoi ça? Non. D'accord, mais il mange, ce con. Faut qu'il mange, bien sûr, évidemment. Hop, donne-moi ça. Et on le met où, celui-là? Attendez. D'accord. Ça sert à quoi, ça? J'ai pas tout compris, en fait, ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Énorme. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a du fromage là, oui, du fromage. Hop, du fromage. Ah, mais faut lui apporter en fait à manger. Non. En fait, c'est ça, faut lui apporter à manger. Attendez. Voilà, chope-le. Voilà, X. D'accord. C'est quoi ce délire là? Attendez, donc j'ai le fromage. X. Voilà, je lui ai envoyé le fromage, bah c'est bon. En gros, faut lui donner à manger, et là il reste une bouteille, donc ça doit être ce truc là-haut, je pense. Attendez. Voilà, oh, jolie hache. Hop, et on a la bouteille maintenant, tout simplement, fallait le nourrir et donner à boire. Hop, tiens, bois. C'est énorme, franchement. Tu prends des mods pour tes chroniques? Non, pas sur Modoster, du tout. C'est pour demain la chronique du fermier? Oui. T'as vu le message de HD Daniel qui t'a envoyé sur Facebook? Non. Faut que tu les nourrisses. Oui. Mon cher Bill. Il faut que je donne du temps dans les plats. Oui. Vise. Oui. Tu sais, vous donnez donc ta paye pour l'avoir? Non. Énorme. Tu sais, la photo de l'annonce te paye pour l'avoir. La photo de l'annonce te paye pour l'avoir. La photo de l'annonce te... Je... Alors, essayez d'écrire français pour ceux qui ont du mal, parce que franchement... Galaxy, comptes-tu travailler prochainement en YouTube? Bien sûr, bah évidemment, je vais bien être obligé de toute façon. Là, ce n'est qu'une passe. Ce n'est qu'une passe de ma vie. Hop. Alors, oui, il est barbu, lui. Il est très barbu. Pourtant, il est bien modoster pour les mods. Ah bah, je te crois, mais les mods, en fait, je les ai... Il y en a déjà plein sur d'autres sites, donc je suis pas obligé d'aller dessus, quoi. Entre un acteur récompensé aux Oscars et une aspirine occulte, ce sont tous les deux des comprimés. Oh, c'est méchant. Est-ce que tu es sur la Xbox? Oui, 360. Appuyez sur... Oula, c'est un jeu de rythme, ça, j'ai l'impression. Sur X, A, B ou Y lorsqu'il jongle des assiettes. Appuyez sur la touche lorsque la lueur apparaît pour gagner un bonus de pièces. Ah oui, vous savez, c'est la fameuse scène où il chante comme ça. Hop. Faudrait que je vous augmente un petit peu le son du jeu. Bon, c'est pas grave, on va dire. Hop. Pour l'instant, on s'en sort bien.
Bon, c'est un jeu de rythme un petit peu limite, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais c'est sympa, juste visuellement, quoi. Ah, regardez, on reprend bien les scènes du film. C'est quand même le principal dans un jeu Lego, au final. C'est l'adaptation, de reprendre justement ce qui avait fait le meilleur de l'adaptation, et c'est quand même bien fait. Voilà. C'est parfaitement parfait. J'adore. Ça me rappelle la pub. Ah, je me souviens de ce perso, mine de rien, là, le grand costaud. Bon, il faisait un peu plus grand, quoi que ça reste des nains. Faut pas abuser non plus. Mais il faisait un peu plus costaud dans le film. Ok. Donc je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui n'ont pas vu les films. Moi, j'ai vu les deux. Voilà, la désolation de Smoke, c'est ça, il me semble, après le deuxième. C'est plutôt deux très bons films. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai une préférence quand même pour la saga du Seigneur des Anneaux. Je trouve qu'en fait, Lego le Hobbit, c'est un... En fait, c'est comme le Seigneur des Anneaux, en s'emmerdant moins, en fait, au niveau du scénar. Voilà, en gros, c'est ça. C'est, en fait, un Seigneur des Anneaux plus fun et moins recherché. En gros, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Bah bon, après, c'est un peu moins profond. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? D'accord, donc c'est encore la scène. D'accord. Allez, on fait la vaisselle, on fait tout. Ça me rappelle une scène de Merlin l'Enchanteur. Où t'avais les assiettes qui roulaient toutes seules, même si là, bon, c'est pas vraiment le cas. Ah ouais, Bilbo il est fou là. Bilbo du moins. Bilbo il est fou. Une pub de Kinder en plein live. C'est horrible ça. Tu me présenteras ta sœur Galax? Non, du tout. Du tout, elle veut pas se montrer en caméra. De toute façon, je vois pas l'intérêt, elle fait pas de vidéo. Voilà, donc non. Bon bah j'attends, écoutez, j'ai rien de spécial à faire. Je sais pas, faut que je fasse quoi. J'ai rien à faire là. La désolation de Smash. De Smash, de Smog. Smog, attends, Smash. N'importe quoi. Smash. On est pas au tennis. Moi, j'ai pas vu les deux films et je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop. Ah oui. Bon. T'as oublié de mettre Lego le Hobbit à la place de MXGP. T'as oublié de mettre Lego le Hobbit à la place de MXGP. Si, si, j'ai bien mis Lego le Hobbit, mais je t'explique quelque chose, c'est que Twitch, depuis tout à l'heure, ça bug. Enfin, depuis hier, ça bug. Tu as la tête devant les trucs. Ah bon? Oh putain, t'as raison en plus. Oh là. Ah bah d'accord. Fallait me le dire plus tôt. Ah, je préfère. Ah, énorme. Énorme. Tu as la tête devant les touches, donc forcément c'est sûr que ça allait pas marcher. Donc mine de rien, on a pu voir que même si on se loupe, même si on voit pas les touches, même si on les fait pas, on meurt pas en gros. Donc bon, c'est cool. Ah, le chef. Voilà. T'as la tête devant les boutons, c'est énorme ça. Je vous présente le chef. Oh mon dieu, du coup j'ai perdu plein de pièces. Écu de chaîne. On est que 87, moins que hier. Oui, sauf que je suis tout seul et que là c'est du Lego, donc forcément quand il y a du Lego, les gens sont pas trop Lego quoi. Est avec tout petit, trop jaune, et qu'il y a tout le monde un poussin avec une mitraillette. Haha. Tu as un retard sur les coms. Non. Tu feras un let's play sur South Park? Non, sinon je l'aurais déjà fait. Tu as une grosse tête, dis donc. Merci. Merci beaucoup. Ton meilleur jeu Lego? Non, c'est pas mon préféré. Ou des petits boutons? Ou des petits boutons? De quoi des petits boutons? Quelle bête. On est 115, Thorin. Ouais, c'est Thorin. Donc là voilà, je parle par-dessus les cinématiques, les amis, parce que je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce film et j'ai pas non plus envie de trop vous spoiler, donc je vais pas vous faire écouter les voix. Parce que oui, et il faut le dire, ils ont repris, les amis, les voix du film officiel. Donc ça, c'est génial. Voilà. Tu ressembles à Kenny. Ah, mais quel compliment. Ou pas. Donc il faut un cambrioleur. Carrément pas, même. Et un bon... Voilà. Un expert, tu vas faire World of Subway. Je connais pas. Je connais pas World of Subway. Et alors que je t'adore Galax. Moi je vous adore aussi. T'es un petit peu en retard sur les coms. Si t'es un petit peu en retard, bah non. Parce qu'en fait, je regarde les commentaires si tu veux qui apparaissent là. J'ai une fenêtre. Donc du coup, forcément, j'ai pas tous les commentaires. Donc j'ai pas les derniers commentaires. Mais je suis pas en retard sur ma fenêtre en fait. C'est ça le truc. C'est compliqué. Voilà. Quel est ton meilleur jeu Lego? Bah, le Seigneur des Anneaux. Lego, le Seigneur des Anneaux. Je trouve meilleur que ce Lego, le Hobbit. Parce que j'ai un petit peu moins aimé les films. C'est seulement pour ça, en fait. Dans un trou, tu t'es verrouillé, nickel. Bon, après, il reste très très bon. Tu aimes quoi comme jeu? T'as une grosse tête ou ce sont des petits boutons? T'as une grosse tête ou ce sont des petits boutons? J'ai rien compris. Comment appelle-t-on un Allemand qui porte un chapeau à 50 000 balles? Le pape. À quand la suite des Let's Play? Alors sur ma chaîne gaming, ça va revenir dès la semaine prochaine. Vous en faites pas, ça va revenir. Dar, 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 je suis chaud.
et j'espère que ça va vous faire plaisir, en tout cas pour ceux qui aiment les let's play. C'est un jeu de métro. Voilà, ok. Il dure combien de temps le live sur Lego? Approximativement une heure. Tu feras du train simulator? Non. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Allez, ok. 56% donc après, pour les jeux Lego, pour vos jeux préférés, tout dépend tout simplement des séries, des franchises que vous préférez. Voilà. Si vous aimez beaucoup les comics, par exemple les DC Comics comme Batman, clairement vous allez adorer Lego Batman. Par exemple, si vous aimez Marvel, vous allez aimer Marvel Super Heroes, qui est d'ailleurs très très bon, je dirais que c'est mon deuxième Lego préféré, derrière Lego le Seigneur des Anneaux. Si vous aimez Harry Potter, vous allez adorer Lego Harry Potter, qui est pas mal aussi. Voilà, donc franchement, vous avez plein plein de Lego, et donc du coup, voilà. Laisse tomber, je suis d'accord avec toi. T'aimes bien The Walking Dead? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de regarder, en vrai. Voilà. Et le projet FSX, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas y revenir. Tu aimes les anges de la télé-réalité? Non. Pas du tout. Pas du tout. Allez, donc on passe. Niveau terminé, on va continuer un petit peu l'histoire. On a fait que la moitié des pièces au niveau de la jauge. Ça me plaît pas. Oh, le ours! Pas mal. Tu vas aller aux 24 heures du Mans? Non, du tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, en vrai. Il y aura bonus aujourd'hui? Ah non, il y aura sûrement pas de bonus, surtout que du coup que j'ai eu un problème avec mon PC, je vais vite le régler. Ça a été un petit peu inattendu, voilà, je vous avais dit que peut-être il y aura du bonus si j'avais la forme, et vu que j'ai pas la forme, du coup il faut que je règle ce problème de PC, il y aura pas de bonus aujourd'hui. Voilà, puis après faut que je mange, hein. On sera 19h, faut bien que j'aille manger, et etc. J'ai fini Lego Marvel à 100%, il est génial hein, ce Lego là, franchement le Lego Marvel, pas mal du tout. Si tu aimes, mets un j'aime sur cette vidéo. C'est pas une vidéo, c'est un live. Le Ford que Texas t'a fait est sur Game Modding Galaxy, je viens de le voir. Ok. C'est bien. Tu pourrais faire le jeu Sega Tennis sur Xbox 360. Sega Tennis, c'est... Attends. Je sais pas si c'est celui-là dont tu me parles. Attends. Attendez deux secondes. Je vous coupe. Est-ce que... Hop, est-ce que Sega Superstar, Sega Tennis, parce que moi j'ai Sega Superstar Tennis, est-ce que c'est de celui-là que tu parles? Je sais pas, parce que moi j'ai Sega Tennis, mais j'ai pas, enfin j'ai Sega Superstar Tennis, je sais pas si c'est vraiment celui-là que tu veux, que tu parles. Voilà, je l'ai eu en version bundle, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est pour ça qu'il y a, c'est un peu bizarre comme boîte, c'est en 7 CD en fait, en CD 7. Voilà, je me comprends. C'est pas une version anglaise, hein, c'est juste la boîte qui est en anglaise. Voilà. Bref, vous avez compris. Tu as quoi comme console? Un peu, j'en ai plusieurs en fait. Allez, donc on continue un petit peu. Donc on n'est pas là pour parler de Sega Superstar Tennis. Voilà, c'est ça. Oui, ah d'accord, donc c'est bien ça. Pas spécialement, je pense pas en faire, les amis. On a Gandalf, super. Je pense pas en faire en live. Parce que c'est plutôt un jeu qui est bien en multijoueur. Et puis après, c'est pas non plus le meilleur jeu de tennis. Dans ce type là, mais moi je trouve pas mal, sinon je l'aurais pas acheté, hein, je vous dis franchement, je trouve sympathique, et voilà, de temps en temps c'est marrant. Deux super youtubeurs que j'ai mis dans mon cercle Google Plus avec Galax, merci. T'aimes quoi comme jeu de combat? Écoute, attendez, je vais voir un petit peu ce qu'il faut faire, puis après je vous répondrai. Il est temps de se débattre. Alors comme jeu de combat, j'aime bien Mortal Kombat. Donc les derniers en plus sont super cool. Sinon, comme jeu de combat, j'aime bien Dead or Alive. J'aime bien un petit peu Tekken aussi. Dragon Ball Z, ça me plaît bien, mais le dernier est moisi. J'aime bien les anciens Budokai du coup. Et bizarrement, j'aime moins les Tenkaichi, les Budokai et Tenkaichi. Je préférais, les amis, les Budokai classiques, le 1, le 2 et le 3 des Budokai. Voilà, d'ailleurs, j'ai la compilation de tous les Budokai, mais pas le Tenkaichi. Simplement pour vous dire comme quoi je préfère ça. Alors qu'est-ce qu'on fait au juste? B. Il est temps de se débattre. J'ai pas lu en fait, donc attendez, je vais voir ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il me dit au juste? Mais attends, mais y a pas de texte en fait quand il parle. Je sais, une démonstration de fléau de mithril serait du plus bel effet avec les traces lumineuses que l'arme laisse sur son passage. Oh, pourriez-vous m'en forger un? Si vous acceptez, j'ai quelque chose qui pourrait doubler votre fortune. D'accord, je vois, j'ai dû augmenter le son, mes amis, du Blue Yeti pour moi pour regarder ce qu'il fallait faire. J'ai toujours pas compris, on va voir. Attendez, si je tape là-dessus, les articles en mithril peuvent être forgés en ramenant des plans. Ah, d'accord. Au forgeron, trouver les plans dans les niveaux de la terre du milieu. Faut trouver des plans alors. Superbe. Superbe. Tu aimes Forza 4? Alors j'aime les jeux Forza en règle générale. Mais mon préféré, ça a toujours été le premier Forza. Demandez-moi pas pourquoi. Ah, mais on a le chemin à suivre ici. En tout cas, c'est super beau. Hein. Alors ouais, là, on retrouve vraiment...
un petit peu la même chose que dans Lego le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, au final, moi c'est vraiment pour la licence de Seigneur des Anneaux que j'ai une préférence pour ce jeu Lego là. Mais sinon, je suppose que celui-ci est aussi bon. Hein. Voilà, honnêtement, hein. je suppose. Alors, mais je préférais la musique du Seigneur des Anneaux. Allez, même si c'est presque la même. Hop, donc on peut sauter dans tous les sens. Remarquez quand même que vraiment cet endroit c'est super joli. Et donc à savoir une chose, c'est que ça a été tourné le film ça en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est des villages de Nouvelle-Zélande, des vrais villages. C'est vraiment magnifique. On pourrait croire que ça n'existe pas. Et bah si, c'est vraiment ils l'ont tourné comme ça. Évidemment, c'est pas ça a été accoutumé et tout. Hein. On est d'accord, mais ça existe vraiment. Voilà, c'est superbe. Alors donc là, je peux tirer des sorts. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, suivez la traînée de pièces jusqu'à la destination aussi, le chemin est indiqué sur la mini-carte. Ok, donc là par contre je n'ai pas... C'est pas là qu'il faut que j'aille. Non. Ouais d'accord, alors, je veux bien suivre le chemin. Le chemin... Et il est là-bas. Ok, donc je vais suivre le chemin, donc c'est quand même une sorte de petit GPS. C'est peut-être le petit défaut dans les jeux Lego, c'est qu'on est vraiment guidé à fond quoi. Voilà, je suis. Mais que c'est magnifique. Bonjour. Mais qu'il est beau ce jeu. Qu'il est beau. Mais j'adore les jeux Lego. Demi-tour. Tu pourras faire GTA Online. J'ai déjà dit que je ne pouvais pas jouer en ligne quand je suis en live. Je n'ai pas la fibre optique. Voilà. C'est incroyable. Après, c'est quel jeu? Après, attends, je vais te dire. Mario Kart 7. Après, c'est... Regardez-moi l'eau comme c'est beau. Après, c'est Mario Kart 7 et il y aura peut-être Super Monkey Ball. Il y aura sûrement Super Monkey Ball. D'ailleurs, je pense que on aura largement le temps avant 19h de faire du Super Monkey Ball, un jeu que j'adore. Quand tu vas faire le troisième niveau? Le troisième niveau, bah quand j'aurai atteint la destination. Écoute, c'est quoi ça? Dégage. Ah ouais, c'est ça le chariot. Énorme. Wouhou. Nickel. Ça, je m'en rappelle. Ok. Voilà, on est à l'ESO. Donc là on visite un petit peu. Mais écoutez, je suis tout simplement, les amis, le GPS, alors je peux pas aller plus vite. On a quoi comme touche? Attends, je regarde les touches. D'accord, donc là c'est B, la touche d'attaque, la touche de saut. Y, ah zut, c'est pour changer de perso, je vois. Ok, bon, on va suivre. J'adore la musique, c'est énorme. Tu vas acheter le New Donkey Kong? Bah je sais pas, moi pour moi il y en a plein des nouveaux Donkey Kong, mais non, pas le nouveau Donkey Kong. J'ai pas la Wii U, donc je ne risque pas, je n'ai pas la PS4, je n'ai pas la Xbox One, je n'ai pas la Wii U. Parce que je ne vois pas l'intérêt pour l'instant d'avoir une nouvelle console, voilà. Si ce n'est pour 2-3 jeux, franchement. Tirer des boulettes sur les interrupteurs, lance Lego. Ah d'accord, attendez, des boulettes alors. Ah non, je croyais que c'était avec lui, mais non en fait. D'accord, donc ça c'est pour le truc des boulettes. Bah on va suivre, écoutez c'est assez loin j'ai l'impression, alors c'est chiant. On n'avait pas peut-être une carte, attendez, voir carte. Ah voilà, regardez, faut carrément aller là. Bah ouais, regardez, là c'est la prochaine mission. Donc c'est assez loin. Ah ils sont là les... Vous avez vu, donc là c'est la map, là ils sont là les petits trucs. Ah c'est pas mal fait la pluie hein, mine de rien. Pas mal fait. Pourquoi tu as dû augmenter le son du Blue Yeti? Tout simplement pour que j'entende mieux, parce qu'en fait c'est mes écouteurs. Le Blue Yeti je l'utilise comme casque en gros. Mes écouteurs sont branchés sur le Blue Yeti. Donc en gros, j'ai augmenté le son de mes écouteurs. Voilà, tout simplement. Tu as déjà craqué un jeu? Oui, bien sûr. Enfin, comme après tout le monde. Un long presque. Voyage à travers la c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive. Tu es le meilleur Galax gamer français, vive Galax. Merci. La compagnie. Ok, ah oui, là donc ils expliquent le truc de Thorin et des orques. Sur le point. Comment fais-tu pour changer de couleur? C'est-à-dire, changer de couleur? Tu veux dire. Changer de couleur comme ça. Ah non, ça marche pas, d'accord, superbe. Pourquoi ça marche pas? Je l'ai fini. Attendez. Ah, attendez. Bienvenue, ah, d'accord. Voilà, changer de couleur comme ça ou. Je sais pas comment, changer de couleur. Tu veux que je sois en jaune? Tu veux que je sois en bleu? En bleu turquoise, ça fait bizarre. Un schtroumpf! Regardez, j'ai les lèvres à dire. Ah, c'est dégueulasse. Regardez les dents. Ah, c'est dégueulasse. Franchement, ça fait dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ça fait dégueulasse. C'est dégueu. Oh mon dieu. Allez. Ça fait vraiment les dents un petit peu avec un appareil dentaire, mais dégueulasse quoi, des dents de monstre. Pire qu'un appareil dentaire, bien pire. Oh là là. Dégueulasse. Je suis fou. Ça sert à rien de mettre 10 fois le même com. Exactement. Un Galax multicolore. Oh là là, je vous jure. Hop. Alors, ah non, on est déjà là. Ok, on est déjà parti en vogue, les amis, dans l'aventure. Ils dorment, j'ai envie de les réveiller.
Non, je peux pas les réveiller apparemment. C'est sympa, j'ai l'impression que ça passe plutôt vite hein, quand même le film là. Je sais pas combien de durée de vie il a le jeu, mais je trouve que ça passe vite. On est déjà ici donc on est pas très loin. Je tombe, je suis tombé. On est pas très loin, les amis, je pense. Comment ça s'appelle déjà, des gros machins là, de ouf. Tu vas acheter l'Oculus Rift? Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. On aurait dit dans Harry Potter, il faut jamais le dire. Mets les sous-titres s'il te plaît, s'il te plaît, tu peux me répondre. Alors je peux mettre les sous-titres, exceptionnellement. Musique, icône, ouais, je mets les sous-titres vraiment pour vous faire plaisir. Continuez. Que faut-il faire? Alors, les personnages tels que Gandalf, munis d'une perche Lego, peuvent s'empiler sur les points. Sur les points noins. Points nains, d'accord. J'ai pas tout compris, mais... D'accord. Ah, c'est ça, ça doit être ça, donc. Non ? Ah, peuvent s'empiler ! Ok, j'ai compris. J'ai compris. Est-ce que j'ai... ouais. Et alors, est-ce qu'il faut les réveiller On peut pas les réveiller, mais en fait, je n'ai qu'un nain, donc ce serait compliqué. Je n'ai qu'un seul nain. Attendez, on n'avait pas un truc avec un... Non, il faudrait le mec avec l'arc. On a quoi comme perso, là ? Moi, j'en ai que deux en fait. Donc c'est que Ouin. Ah, attendez, donc c'était ça, Ouin. Donc logiquement, si, ça doit être ça. Attendez. Hop. Là, je peux peut-être lui sauter dessus, non? Ah, c'est ça, voilà, fallait lui sauter dessus. Je me demandais ce qu'il fallait faire. On dirait Chewbacca. Tu feras un live sur MXGP? Il vient d'avoir lieu juste avant. Énorme. Comment on peut enlever la correction automatique? Je sais pas ce que c'est. Des orques, Galax. Des orques. Ouais. Non, c'est pas des orques. Bah si, c'est des orques. Mais c'est pas... Non, 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 c'est pas des orques. C'est des... si, peut-être, je sais plus. Oula, je peux plus bouger. Je vous jure, je ne pouvais plus bouger. Regardez, je suis coincé. Oh, regardez, je suis coincé. Je fais quoi maintenant? Ah d'accord, je peux prendre lui au pire. Qu'est-ce qu'il me dit? Plusieurs persos munis de perches Lego peuvent s'empiler sur un même... Je sais... je suis coincé en fait. J'essaie de le débloquer. Voilà, faut tout casser. C'est bon, j'ai réussi à le débloquer. Ok, allez, mets-toi là-dessus. J'ai compris, il faut leur sauter dessus. Ah, t'es chiant. Non, lui là-haut. Voilà, après je change, je reprends Bilbon. Hop, vas-y, saute-lui dessus. Saute-lui dessus. Saute-lui dessus. Il veut pas. Allez. Bon. Apparemment, on peut pas. D'accord, je peux pas lui sauter dessus. Re-regarde. Plusieurs persos munis de perches Lego. Ah non, c'est pas pareil. Ils peuvent s'empiler sur un même point pour atteindre les zones plus hautes. Bah si, c'est ça. C'est forcément ça. Attendez, je vais casser ça, vérifier un truc. Et il y a quoi ici? D'accord. Superbe. Magnifique. Ah, faut construire, ok. Dis donc. Il a dit le prochain jeu. La quoi comme cellulaire? On s'en fout. Ah d'accord, ouais, faut le faire monter lui. Mais l'autre il sert à rien en fait. L'autre il sert à rien parce que c'est... Je croyais qu'il avait une perche mais non. Hop, allez, vas-y, je peux sauter. Bah oh. Ah. Mais on saute sur la perche. Ah donc là peut-être il faut mettre l'autre dessus. Attendez. Ah ouais. Oh là là. C'est trop bien ça, énorme. Énormissime. Mais il m'a fallu un petit moment pour comprendre quand même hein. Mais ça va aller. Oula. Et donc là, attendez, je peux aller là. Et le but c'est quoi? C'est Y. Ah d'accord, attendez. Et là de les faire passer parce que c'est des nains donc ils peuvent passer. Ok, d'accord. Je vois, et il me faut quelqu'un avec le gros marteau. Donc ça doit être l'autre. Voilà celui que j'ai ici d'ailleurs. Bim, qui va me défoncer ça. Yes, enfin, c'est deux haches hein, pour le coup, c'est pas un marteau mais... Vous m'avez compris, voilà. Mais les deux, on est que trois. Mais non, Galaxy il est 17h20. 17h20, déjà. Hop, vas-y, prends-le. Ah, c'est vraiment de la coopération. Hein. Je vous propose, les amis, de vraiment y jouer si vous comptez prendre le jeu en coopération. Hein, parce que, attention, oh, t'as failli te faire avoir. 17h20, bah ça va, écoute, on a le temps. On est tranquille. Hein. Alors, moi je continue. Je vais reprendre Bilbon, par contre. J'aime bien prendre Bilbon. Le personnage principal du film et donc du jeu. Bim, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Donc là, pareil, on doit les remettre dessus. Allez, B. Hop, suivant. Ça par contre les caméras, bonjour hein. Hop, le troisième. Les caméras sont très mauvaises. Voilà, et là moi je monte. Parfait, hop, les trois. Oh c'est magnifique.
C'est magnifique. Voilà. Je suis content, on a réussi à monter, mais mine de rien, c'est long. Hein. Bon, c'est. Alors, pour certains, je pense que ce type de jeu peut paraître chiant à mourir. Je pense. Bon, moi, j'ai toujours gardé mon âme un petit peu d'enfant. Et puis, c'est surtout le truc de rejouer à nos licences préférées, j'ai envie de dire, en Lego, ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, faut que je redescende partout, quoi. Superbe. Voilà. Ça, c'est pour lui. Ah, du coup, j'ai perdu du temps à redescendre, quoi. Ah non, c'était ça qu'il fallait faire, ok. Génial. Qu'est-ce que c'est? Des orques. Il y en a des douzaines dans le coin. Vous trouvez ça drôle? Ouais, il y aura une vidéo spéciale pour les 1000 vidéos, vous en faites pas, bien évidemment. Félicitations pour tes presque 50 000 abonnés, t'es le meilleur station de simulation. Merci. On finit à 18h? Non, on finit à 19h. Voilà. C'est vrai que c'est un peu ennuyant. Bah, Texas 22, toi, qui joue à la simulation, c'est sûrement plus ennuyant de regarder de la simu. Mais bon, personnellement, moi je m'ennuie plus à regarder de la simu, à part s'il y a un sujet comme la chronique du routier ou la chronique du fermier. C'est vrai qu'il y avait un super Monkey Ball sur la 3DS. Oui. Tu feras un esprit sur Sly Cooper? Oui. Tu feras une vidéo spéciale 1000 vidéos? Oui. Tu as Lego City Undercover? Non. J'adore. Oui, non, oui, non. Oh mon dieu, c'est la guerre! Toute leur race. Dans toute leur race. C'est la guerre. Non! Saleté! Les orques! On va tous les tuer! Tous! Allez, mourez! Un petit peu de combat! Ça fait du bien! Il est joli le jeu quand même, il est joli, même si on est sur console, bon, c'est toujours un tout petit poil mieux sur PC. Alors, est-ce que ce jeu-là sortait sur PS4 et Xbox One? Il me semble que oui. Ah, il me semble que oui, donc ça doit être un petit peu comme la version PC, ça doit être un petit peu plus fin que la 360 et que la PS3, évidemment, c'est logique. Mais après, ça peut y avoir vraiment un fossé énorme, hein, pour tout vous avouer. Ça doit être surtout plus fin au niveau des textures, mais c'est tout. Alors, c'est bon. Ah, d'accord, ça ouvre les rangs. Ok, donc là, ça change un petit peu, c'est la guerre. Ça fait du bien, un petit peu de diversité. Et ça referme. Fermez la carapace. Le profanateur. Le profanateur. Ah, il faisait plus peur dans le film. Il faisait beaucoup plus peur dans le film, le profanateur. Éliminé. C'est clair. La lignée de Turin. Allez. Il n'éliminera pas la lignée. Non. Durin sera toujours là. Énorme. Allez. Je vais tuer tous les orques qui se mettent ici. Voilà, même si là. Ah, il y en a un derrière qui arrive. Voilà, je le tue. Je sais même pas où je vise, mais je vise, écoutez. Allez. Allez, toi aussi, tu meurs. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est un système de combat jamais vu dans l'histoire d'un jeu vidéo. Non, je rigole. Non, non, c'est très classique. Franchement, c'est. Ça fait partie des trucs que je pense, honnêtement, ils devraient essayer de retravailler un petit peu dans les jeux Lego. Essayer de. Voilà, de faire des graphismes un petit peu changeants. Qui amène un petit peu de fraîcheur dans l'univers. Et franchement, là, on aura le droit aux adaptations vraiment les plus réussies du moment pour les licences. Voilà. Oh, il y a des côtelettes. C'est quoi, c'est des poissons ou c'est du poulet? Je sais pas. Le mec. Je suis en train d'être enrhumé à cause de mon ventilateur, mais sinon je vais avoir chaud. Donc. Faut pas abuser. Ok. Voilà. C'est bon. Oh, mais en fait, on fait tout dans la guerre ici. Je vais finir, j'ai plus un cœur, quoi. Attends, est-ce que je peux passer pour un. Pour tuer le profanateur, sauf qu'on le tue pas. Il me semble qu'on coupe une partie, je me souviens plus vraiment de cet endroit du film. Il me semble qu'il se passe quelque chose hein, sur le champ de bataille. Allez, donc peut-être que là il faut tout simplement tuer tout le monde. C'est assez long. Je récupère les petites planques. Les petites plaques du moins. Ah, attention, attaque circulaire. Ah non, je suis mort. Superbe. Je me suis fait tuer. Il y a 3 modos. Texas 22. Quand à la prochaine mode contre Galax. Hop. Donc pour l'instant les mods je pense que j'en ai pour un moment honnêtement et vu que la map, alors vous avez pas vu encore la chronique du fermier mais la map sur laquelle on est on n'aura pas besoin de mods. En tout cas on les a déjà. Donc honnêtement pour l'instant les mods sont en suspens. On n'a pas besoin du tout. Hop. Oh là là là. Oh là là. Oh là là, je sais même plus qui c'est qu'il faut que je frappe, je ne sais plus qui c'est mes ennemis et qui sont mes amis. C'est incroyable. Mais faut faire quoi en fait là? Parce qu'il y en aura toujours en fait, c'est un peu long hein. Attendez, bon, est-ce qu'on peut. Il y a sûrement quelque chose à faire non? Attendez, il doit y avoir quelque chose à faire parce que là c'est pas possible, on doit pas mettre aussi longtemps pour. Donc là il y a un bloc, ça sert à rien. Non, c'est pas juste le truc de.
Ah, attendez, il doit y avoir quelque chose ici. Ils sont obligés, je vais mourir, mais c'est pas grave. Je m'en fous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Ou alors avec. Parce que depuis tout à l'heure, je me bats. Attendez, j'essaie de changer de perso. D'accord, il y a lui. Dégage, toi. Tu m'énerves. Pas grand chose, donc eux, ils servent à rien. On a lui, on a lui, on a lui, ouais. Franchement, là, je sais pas vous dire, les amis. Putain, il me tue tout le temps, je sais pas quoi faire. Vous savez ce qu'il faut faire? Galax, tu as le Renault quand même sur farming. Mais arrête de parler de farming, on est sur Lego. De Dieu. Ah. Hop. Ah ouais, c'est un truc tournoyant, ça. Je crois que c'est... Excusez-moi. Ah ouais, c'est un truc tournoyant. Peut-être tout casser en fait. Alors je casse tout, on verra bien. Faut sûrement qu'on se fait quelque chose. Ça doit être ça, je pense. Allez, je tue tout le monde avec mon arme tournoyante. C'est epicness. Allez, tout le monde ramasse, même mes amis. Rien à foutre. Ah, donc ça, par contre, ça se casse pas. Ok. Est-ce que je peux faire une attaque tournoyante? Voilà. Oh mon dieu. C'était long, hein. Alors, excusez-moi, deux secondes. J'ai mal aux yeux. Je vais couper le ventilateur. Ah, merci mon dieu, parce que là, les amis, c'était horrible avec le ventilo. Je ne pouvais plus tenir. J'ai les yeux complètement défoncés, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu meurs. Alors je sais pas ce qu'il faut faire, mais je vais voir. Alors, ne combattez pas seul. Pour vaincre cet ennemi, il faut travailler en duo. Ok, appuyez sur B pour travailler en duo, puis appuyez sur X pour faire une attaque puissante. D'accord, on y va. Donc ça, c'est la grosse nouveauté, en fait, les amis, de ce jeu. Ah, il est en caleçon. Énorme. Il est en caleçon. Et attaque finale. Voilà, on lui a coupé les deux bras. Ah, c'est dégueu. Ou pas. Et maintenant, c'est quoi le but là? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, c'est vrai qu'on peut travailler en binôme, j'avais oublié ça. Allez, travailler en binôme, ça sert à rien. Ah si, ça va le faire. Yes. Voilà, il y a un petit crochet. Oh, des méchants. Oh la vache. On est toujours en binôme, les amis. On attaque en binôme avec une double épée du coup. Deux épées, c'est magnifique. Même s'il y en a un qui est mort, c'est superbe. Toi, tu vas mourir, enfoiré. Tiens, oh oui. Oh, c'était joli là, la petite animation. Bah voilà, ça c'est bien. J'avais pas vu que vous avez fait. Ah voilà. J'avais pas vu que vous avez fait les petites animations comme ça. Ça apporte un peu de fraîcheur. Bon, c'est un petit peu limité parce que ça fait toujours les mêmes. Mais bon. Allez, zut, non, faut emporter le crochet, je crois. Je sais pas. Attendez, ah non, faut construire. Attendez, qu'est-ce que je fais? Faut construire quelque chose, non? Voilà. Faut construire le crochet, évidemment. Alors à quoi ça sert? Je sais pas trop. Ah, attendez, on va voir. Peut-être avec lui, je pense pas. Attendez, qu'est-ce qu'on a comme perso? Dory jaune. Banane. Alors là, honnêtement, je sais pas. Attendez. C'est ça? Ah ouais, c'est ça, ok. Je me demandais si c'était ça, je me suis dit, ah tiens. Yes. Ah ok. Allez, mourez. Mourez, vous allez tous mourir. À mort, pas fin de Cacharel. Non. Je fais tout le temps cette blague pourrie. J'aimerais bien monter en fait. Ah, on peut pas monter en fait, je croyais qu'on pouvait monter. C'est pas un ascenseur, Galax. Et maintenant, on peut les tuer, hein? Toujours pas. Bon, et sinon à part ça, bah, je vous avouerai que je sais pas quoi faire. On peut... Je suis mort. Je suis paumé. Qui c'est qui me tire dessus là? C'est lui? Non, t'es avec moi toi normalement. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut faire quoi? Tu dois tuer le mec vert. Le mec vert. Ah, l'archer! Ah oui, effectivement, il me tire dessus tout à l'heure. Bah, ouais, mais comment je pouvais le savoir moi? Je sais bien que j'ai regardé le film, mais quand même. Qu'est-ce qui est rose qui fait 5 cm normalement, 15 cm des. D'accord, ouais, c'est bon. Le permis de conduire. Oula, c'est quoi ce grand machin? Attendez, travaillez en binôme s'il vous plaît. Travaillez en binôme. Voilà. Oh, je suis mort direct. Je voulais travailler en binôme, il m'a tué tout de suite. Incroyable. Oh, comme il déboîte. Je
crois qu'on peut pas le tuer. Je crois qu'on peut pas le tuer. Il me faut un travail en binôme. Oh putain, il dévoile tout le monde. Et va-t'en vite. Hein, mais il me tue direct. Il me touche à peine, je suis mort. Truc de ouf. Vite. Attendez, attendez, on s'écarte, on s'écarte. Voilà, joli. On l'a repoussé. On le repousse. On le repousse encore. Joli, c'est ce qu'on veut voir. Il est presque mort. Attention. Ah, on peut pas le battre tout seul, ouais. On peut pas le battre tout seul, il faut quelqu'un, il faut quelqu'un. Il me faut quelqu'un. Ah, je peux pas, hein, j'ai pas le temps. Si, c'est bon. Allez. Ramasse tes morts. Tiens, t'as plus de bras. Nickel. Ouh. B. Allez, je remets ça. On le tire. C'est un peu répétitif quand même ce truc. Des trucs en vert, faut les tuer. Ah bah oui, du coup c'est eux qui sortaient de la tour. C'est vrai que j'ai perdu un temps fou là juste avant parce que je savais pas ce qu'il fallait faire en fait. Je savais pas tout ce qu'il fallait faire, maintenant je sais. Forcément. Quand tu l'as fait après, je veux dire. Ah, il est pas mort. Oh, putain. Ah mais ils sont longs à tuer, dis donc. En plus, il y en a d'autres qui s'invitent à la fête. Et j'essaie de travailler en duo. Voilà. Mais quoi, non, à peine je veux faire ça. Allez. C'est chiant de travailler en duo parce que tu te fais tuer avant, tu sais. Allez. Voilà, tout le monde meurt. Allez, c'est bon, on va s'occuper de celui-là, là. Hop, casse-le. Pourquoi il casse pas le truc? Eh oh. Voilà. Nickel. Casse-moi ça, le bloc. Et y en a encore. Bah dis donc, c'est pas fini. Moi je vous le dis, on est en double, regardez, il est sur moi. C'est balèze quand même. Non, faut avouer que c'est bien fait. C'est une petite nouveauté sympatoche. J'aime bien. Allez. Tue-le, tue-le, tue-le. Je suis encore mort. Tiens, je vais te trancher la tête. Un jour, ils feront peut-être un Lego sanglant. Je sais pas, un Lego hardcore. Ce serait marrant, pourquoi pas. Il est pas mort encore lui. Ok, allez, on va tuer ceux qui restent. Comme lui là par exemple. Allez. Allez, allez, tu meurs. Voilà, il reste plus que la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. En fait, il reste encore plein. Dégage. Je vais le tuer. Allez, combat au corps à corps. Plutôt épée à épée. Regarde, change de jeu s'il te plaît. Après. Quand j'ai envie de changer de jeu. La mort nous guettait. C'est sang, c'est dégueulasse. C'est un peu abusé. Bon, on s'est pris sur le ton de l'humour, mais j'ai pas trouvé ça spécialement marrant. Par contre, vous voyez-vous, c'est humour marrant, un peu moyen, quoi. Lego jusqu'à 19h. Il se battait seul. Mais je sais quelle heure il est, hein, les amis. Hein, pas la peine de me le rappeler. Hein. Pour se protéger. Dégueulasse. Il est puissant, mais dans le film, je vous assure qu'il fait vraiment super peur, lui. Incroyable. Là, il fait pas peur. Hein. Que dalle. C'est vraiment plus, hein. Alors. Ouh là là, il est chaud, lui. Est-ce qu'il fait des ondes de choc? Ouais. Oh. Ouh là là. Vous savez, les amis, vous êtes au courant qu'il y a un règlement. C'est écrit, si le jeu ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Voilà, et ben c'est comme ça, écoutez, si ça vous plaît pas, ciao. Et revenez pas. Voilà. Ça, ça m'énerve, le non-respect. C'est énervant, je vous jure. Alors. Il est là, lui, attention. Bon, comment on le tue? Est-ce qu'on le tue juste avec un perso? Non, ah d'accord. Oh. Ah, 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 ah. X. Oh lolo. Je crois que je l'ai tué son vrai. Attention. Oh la vache. Comme il m'a propulsé. Incroyable. Ouais, et comment je monte là-haut moi? Bonjour hein. Incroyable. Le multi sortira au centre chronique du routier, ça sera bien. Je sais pas. Alors. Ouh là là, il envoie des trucs, il envoie des trucs.
Tu as raison, j'espère qu'il fera un 2. Un 2. D'accord. Essayez de parler français, on n'est pas sur un live pour un langage SMS. Voilà, mais je vous jure, c'est incroyable comme certains ça s'applique pas. Hein. C'est. C'est pas que ça m'énerve, mais presque hein, en fait. Hein. Je vous jure, j'aimerais bien que vous vous appliquiez un petit peu sur l'orthographe. Alors, comment on le fait lui là-haut? Il y a une grotte, ça sert à quoi la grotte? Je sais pas. Pousse-toi. Ah, vous avez vu comment dans la grotte en fait il s'arrête? Énorme. Puis après ça reprend. Et je te bousille. Et je te défonce. Énorme. Incroyable. Les amis de la page fan de Grillet vous remercient pour les plus de 1700 likes. Merci encore. Alors, ah, faut peut-être pousser ces trucs. Ah, faut peut-être faire ça. Ouais, y a un truc avec cette ligne. C'est obligé, c'est pour monter. Alors attendez. Voilà, d'accord. Il y a un truc. Attends, je vais essayer de changer de perso. Oula, d'accord. Faut défoncer ce truc. Ah d'accord, peut-être qu'il le faire balancer son truc. Vas-y, balance ton truc. Balance un objet, s'il te plaît. Voilà, il va lancer son objet. Faut peut-être faire ça pour qu'il le détruise. C'est pas ça. Je voulais voir. Ah, il y a le mec avec le marteau. Non plus. D'accord. Ah, il y a un truc en bas, je suis... Attendez. X. Voilà. On peut passer là. Ah non, c'est juste un secret. Abusé. C'est juste un secret. Désolé Galax, tu es prof de français maintenant. Alors, excuse-moi mon cher Vulcain 62800, mais moi je ne parle pas en langage SMS tous les quarts d'heure. Et quand je suis sur un live, justement, je fais pour que la personne stream, qu'elle comprenne. Ok? Donc évitez de faire vos airs un petit peu. Hein, voilà. C'est pas parce que je dis que je vous demande de vous appliquer un petit peu sur orthographe qu'il faut le prendre comme tu l'as pris, ok? Et là, si tu veux vraiment que je m'énerve, je vais faire le mec qui a la grosse tête, si tu veux, ok? Bon. Ouh! Des fois, il y a des gens qui comprennent pas. Ils comprennent pas que quand tu fais un live, en même temps, tu joues, tu organises tout, et en plus, tout simplement, tu regardes le chat, faut quand même, je sais pas, que ce soit lisible. C'est-à-dire, voilà, je veux pas être méchant, mais je vous l'ai déjà dit, ça. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Sinon, vous mettez pas de commentaires. Si je peux pas le lire, c'est comme ça. Alors, allez, B. Je vais y arriver, lui, je vais le battre. Je vais lui faire sa fête. X. Voilà. Mais il est dans les airs. C'est quoi ça? D'accord. Petit bug du jeu quand même. Voilà. T'énerve pas, Galax. Je suis pas énervé. Alors, bon, c'est pas que je suis énervé. C'est juste qu'il faut remettre des fois les choses en place parce qu'il y en a ici croient grave. Voilà. C'est juste ça. C'est tout. Alors. Qu'est-ce qu'il me fait? Franchement, il meurt quand lui? Le mec, il est jamais content, mais c'est quand qu'il meurt ce mec? Il est trop long. Ah, d'accord, en plus, il y a des gens qui arrivent. Mon dieu. J'aimerais bien, si possible. Attendez. Je teste quelque chose. Voilà. On va les tuer. J'ai pas envie de couper cette action-là en fait. Voyez-vous, j'ai pas envie de m'arrêter là dans ce live. Parce que sinon, ce serait couper le boss. Ça me plaît pas trop. Ah, attendez, il y a un truc là. Ah ouais, faut l'accrocher sûrement. Le fléau. Ouais, c'est avec l'autre ça. Donc c'est pas avec cette arme là. Pas avec celle là non plus. Bah, pas avec celle là non plus normalement. Oh, c'est bizarre. Je veux le fléau. Je veux le fléau. Voilà, attention. Non, bon. Est-ce que j'ai le perso qu'il faut... Attendez, le jeune. Il a quoi comme arme? Il a que ça. Donc, c'est pas lui. Thorin, il me semble que c'est juste une épée. Lui, c'est les haches. Et lui, bah, c'est pas bon non plus. Bon, bah, écoutez, je sens qu'on est mort. Je sais pas quoi faire. Je peux pas. J'ai pas l'arme en fait. Sac à dos. Qu'est-ce qu'on a dans le sac à dos? Ok. Bon écoutez, au pire, je sens qu'on va s'arrêter là parce que je trouve pas en fait. Ça me saoule. D'accord. Bon. Est-ce que vous savez comment on fait? Je sais pas comment on fait du coup. Jusqu'à la fin du chapitre. J'aimerais bien, mais je sais pas comment on fait pour le tuer lui.
Parce que voilà, ils nous disent... Regardez. Utiliser un fléau. Peut-être que celui de... Bah si, en plus, on... Attends. C'est lui. Bah si. Normalement, il l'a, lui. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah si. Voilà. Bah si, il l'a, pourtant. Pourquoi je l'ai pas vu? Oulala, Galax, faudrait peut-être te réveiller un petit peu, hein. Franchement. Alors. Ah ouais, d'accord. Putain, oh, c'est chaud, là, pour monter. Ok, et maintenant ah, on peut monter en haut. Ah ouais, d'accord, génial. Génialissime. Allez, je vous tue. Allez, continuez à balancer des trucs. Ah, d'accord. Attendez, je vais casser ça. On a un machin. Pour le mettre où? Ah, faut construire. Ok. Attention, il va me balancer son machin. Ah, attention. X. Attendez, je me prépare un petit peu. X. Voilà, je l'ai, je suis là. Je vais te tuer. B. On va le tuer, on va le finir, les amis, vous en faites pas, ça va arriver. X, 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 X. Non, c'est pas du porno, hein. Ah, ah. Oh mon dieu. Voilà. C'est pas fini. Ah d'accord, c'est du QTE. C'est du QTE, quoi. Nickel, parfait. Je suis content. Ah. Galax se croit dans Zelda et casse les vases qui traînent. Ouais, un peu, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, je fais ça un petit peu dans tous les jeux, en fait. Maintenant, tu es le prof de la sieste. De la sieste. Non. Pas de café, il va être encore plus excité après. J'aime pas le café. Donc c'est bon, j'aime pas le café. Azog. Azog. Avait été vaincu. Avait été vaincu. Et je me Azog. Suis dit alors... Ah, je me souviens pas que c'était ce nom-là. Il y en a un. Je sais que c'était le profanateur, mais... Donc c'est Azog, le profanateur. Que je pourrais appeler roi. Ah non, on est déjà là. Ah ouais. Bonjour Galax, merci pour toutes tes vidéos que tu as déjà faites. Merci à toi. Galax a bug. Peut-être, je sais pas, c'est possible. Ou peut-être pas. Qu'est-il advenu de lui? Mort de rien. C'est être infâme et mort de ses blessures depuis longtemps. On va bientôt finir le niveau, les amis, vous en faites pas. Merci Galax pour tes lives. On est que 58. Alors Fabien, 58, pour moi, c'est bien. Hein. C'est pas parce qu'on a 40 000 ou 50 000 abonnés qu'il faut avoir 50 000 personnes en live. Hein. Sinon, t'imagines, ce serait n'importe quoi. Pourtant, il était seul, vaincu. Mon dieu. Il s'éclipsa d'où il vint. Oh que c'est beau ça. J'aime. Ta connexion est pourrave, MH37. Effectivement. Maudite pub. Ah ça, je veux bien vous croire. Voilà, bah, les amis, on a terminé le live de Lego Le Hobbit qui aura été rempli d'un petit énervement. Bah, parce que oui, certains commentaires m'énervent un petit peu, je tenais à vous le dire aussi. Pour pas que vous pensiez que vous avez le droit de tout faire, de tout me dire, et voilà. C'est tout. Je voulais juste dire ça. Voilà. En règle générale, quand je vois des commentaires comme ça, je réponds, je dis jamais rien. Mais là, aujourd'hui, vu que j'ai eu des problèmes avec mon PC, je suis un petit peu... Ouh, donc du coup, voilà, je vous le dis. Je suis très franc. Bref, allez, alors... Et là, tu vas avoir des gens qui vont faire exprès de d'écrire comme des grosses quiches. Énorme. Ça fait 30 minutes que je n'arrive pas à voir la vidéo. Parce que tu as une connexion pourrie, c'est ce que je dis. Voilà. Donc voilà, on a les petits points verts qui s'affichent. C'est pas mal. Donc non, au résultat pour ce jeu, Lego Le Hobbit, je le trouve bon. Voilà, ça reprend très bien le film. De la même façon, les amis, que Lego Le Seigneur des Anneaux. Mais honnêtement, voilà. Honnêtement, j'ai une préférence quand même pour Le Seigneur des Anneaux. Dans le sens où je préfère les films. Donc forcément, je préférais le jeu. Voilà. Bref, bah écoutez, on va s'arrêter là pour le live de Lego Le Hobbit. Tout à l'heure. Par contre, alors, je vous le dis d'entrée, il me faudra... au moins 10 minutes parce qu'il faut que je débranche, parce que je suis en train de remplir la batterie, de charger la 3DS, il faut que je prépare l'encadre en fait de la 3DS, etc. Donc du coup, pour Mario Kart 7 qu'on fait dans un instant, ça va être un petit peu plus long, donc comptez au moins 10 minutes, les amis, pour que je revienne, je pense. Pas trop plus non plus, parce que je vais pas vous faire attendre, vous en faites pas. Voilà, donc on se retrouve les amis dans... dans 10 minutes, dans 5, entre 5 et 10 minutes. Allez, je vous dis entre 5 et 10 minutes. 2 heures de mes 2 heures les plus cool. Vous en faites pas, c'est pas encore fini. Voilà. Galax est le seul qui décide de quel jeu il joue et respecter ceci. Alors, oui et non, dans le sens
ou dans tous les cas, j'ai pris les jeux qui ont vraiment été beaucoup votés dans le sondage. Donc clairement, c'est vous qui avez décidé des jeux. Moi, après, si vous n'êtes pas content après avoir voté, j'y peux rien. Voilà. Les jeux qui ont été le plus votés, on les a eus hier. Quoique là, celui qu'on va faire, Mario Kart 7, je peux vous le montrer. Hein. Mario Kart 7, c'est le jeu qui a été le plus voté entre 200 et 300 votes. Vous vous rendez compte quand même? Donc là, Mario Kart 7, ne me dites pas que vous n'êtes pas content. Parce que Mario Kart 7, c'est vraiment celui qui a été le plus voté sur tous les sondages. Voilà. Voilà. Bref, merci à tous les amis. J'espère que vous aurez apprécié ce petit live sur Lego Le Hobbit. On se retrouve dans quelques instants, les amis. 5-10 minutes, je vous l'ai dit, pour minimum. Pour les amis, le live sur Mario Kart 7. Et après, on aura peut-être un autre sur Super Monkey Ball jusqu'à 19h. Si on a le temps, il est quelle heure? Il est 17h44. Oui, on aura largement le temps de faire un petit peu de Super Monkey Ball, de faire un autre jeu. Par contre, je n'ai pas prévu de miniature. C'est pas grave. Voilà, allez, à tout de suite, les amis, sur Twitch TV. On se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite.